Alors, si je me souviens bien, par ici, il y a quelque chose à faire. FNCraft, je connais pas ce serveur. Ah, c'est toi? Je suis en train de ranger pour rouvrir le magasin. Le problème, c'est que je me fournissais en matière première chez les Gorons. Je te dis pas dans quelle galère je suis. Ok. Donc, pour le moment, toi, tu me sers à rien du tout. Et je pense que finalement, je pouvais peut-être passer et que j'ai raté quelque chose. Ah, Funcraft! Je connais pas non plus. Ça aurait pu être Funcraft, hein? Ouais, c'est vrai que j'y ai pensé qu'après, mais. Non, pas du tout, non. Moi j'aime bien le PVP sur Minecraft, mais je suis. Oh mince. Je vais pas remettre mon pote. Je pense que je vais essayer de les esquiver. Je pense pas que. Enfin, je crois que c'est pas possible. Non, c'est pas grave. Bah tant pis, je vais encaisser les coups. J'ai pas envie de remettre mes bottes et tout. Tant pis, j'ai pas le choix, j'ai pas suffisamment de coeur pour prendre le temps. Ah, c'est pas grave, des cœurs je peux en trouver partout, je pense. Moi je suis vraiment au bord. Ah ouais, j'étais beaucoup trop au bord pour pouvoir amortir sa chute. Soutenez un rubis bleu, c'est drôle comme il a fait tomber sa pierre. Vite, de l'argent, de l'argent. Bon, alors là il y a les deux gorons. Là-bas il y a la grotte. Si j'étais en forme de loup, je pourrais monter facilement. Ah, il y a quelque chose à me dire. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais les attaquer de face. C'est vrai qu'ils en imposent, mais ils ne sont sûrement pas aussi forts qu'ils en ont l'air. Ah bon? Tu me conseilles de les attaquer? Ah, ok. Intéressant. Ah, coucou mon petit, comment tu vas? Bah pas de soucis, Monkey, y a pas de problème, t'inquiète pas. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles en tout cas, et puis bah, bonne soirée à toi. À la prochaine. Wow. J'ai vraiment arrêté au dernier moment. C'est impossible de passer. Ah, mais je n'ai qu'à sauter. Ils vont m'attaquer ou pas, eux? Ah, ils ont pas l'air... Si tu te repousses dans les sources thermales, ton corps se réchauffe et tu reprends des forces. Et oui, même les gorons ont besoin de décompresser de temps en temps.
Ok. Et toi, qu'est-ce que tu vends? Tu vends un bouclier, de l'huile, de l'eau et des flèches. Il faut les flèches, elles ne servent à rien et le reste, c'est pas intéressant. Donc là-bas, on a accès. Ah, je peux pas passer ici. J'entends du bruit dans la flotte. J'espère qu'il n'y en a pas un qui me suit. Allez, mets-toi en boulette. Allez. Allez, les airs. Ah, je peux pas passer. Comment je peux passer? Comment je peux faire pour trouver un moyen de passer ici? Bon, avant qu'il s'en prenne à moi, lui, je veux bien voir un petit peu à quoi ça ressemble ici. Il faut que j'aille là. Hein. Comme ça, t'as dit. En fait, il y en a certains qui s'arrêtent et d'autres pas. Celui-là, j'ai l'impression qu'il s'arrête pas. Ah, je sais. Bah oui. Laisse-moi 30 secondes, le temps de me lever au moins. Exagère, toi. Je peux te faire play, voyons. Bon, on a réussi à gravir la montagne. Hey. Arrêtez! Contre ce gars-là, vous n'avez aucune chance, même à plusieurs. Je suis le doyen des Gorons, Gor Cobalt. Je dirige la tribu en l'absence de Morok, notre chef. Tu viens du village d'en bas, ma humain. Je suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très fort pour un humain. Mais... les mines au-delà de ce point sont pour nous un lieu sacré. Et il est hors de question de laisser un étranger y entrer. À moins que tu ne mesures ta force à la mienne et que tu l'emportes. En as-tu le courage? Non.
Bon, faut vite que je mette mes bottes parce que sinon il va me défoncer. Eh ouais, mais laisse-moi mettre mes bottes. Tu es beaucoup trop mince et trop léger, tu n'as aucune chance. Reviens un autre jour. Qu'est-ce qu'il y a, humain? T'as encore envie de te battre? T'es têtu. Ah, montre-nous ce que tu sais faire. Ah, il esquive tous mes coups. Ah non, 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 non. Faut pas qu'il m'attrape. Ah là là. Il va tout esquiver. Non, 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 il a inversé la situation. Ça va pas se passer comme ça. Non. Je veux pas tomber. Non, 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 non. Pas, t'es courageux, mais t'es pas très fort. Reviens un autre jour. Comment ça, je suis pas très fort? Je peux te battre, je te dis. Ah, j'étais pas loin, mais il m'a retourné. Allez, à droite, patate, hop, on pousse, hop, à droite, une patate, on pousse, et là tu tombes. Hé, alors papy, jeune guerrier, j'aime cette lueur dans ton regard, et pourquoi pas après tout. Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes. Lorsque la montagne a changé, nous, les quatre doyens et notre chef Morok, sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Il le fallait. Nous y gardons un trésor que le grand esprit Ordin nous a confié. Mais lorsque Morok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se relever sous les traits d'une créature effroyable. La rage destructrice qui l'habite s'est déchaînée sur tous ceux qui l'ont approché, et les éruptions ont redoublé de fréquence. Au prix de vaillants efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans une salle au plus profond de la montagne. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Humain, écoute ma requête. Tu dois sauver Morok. Je suis sûr que c'est le grand esprit qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Moi, Gore Cobalt, je ravale ici ma fierté et te demande à genoux de nous aider, pour le bien de notre tribu. Brave. Laissez-le passer. C'est là qu'on lui dit, mais moi j'ai pas envie de vous aider. Hein. Je venais juste ici pour me promener, au revoir. Le deuxième donjon, du coup. Du coup, je vais passer par là parce que les autres chemins me semblent impraticables.